Bon, alors, je pense qu'on peut commencer. Madame Patrouche, je vous inviterai à faire le mot d'introduction. Oui, bonsoir tout le monde. Merci de me donner la parole quelques instants ce début de soirée. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Donc, j'agis ce soir comme vice-présidente du CCE, notamment. Madame la présidente, Madame Mehdi Polak ne pouvait être avec nous ce soir, mais. Nous sommes donc ici pour, comme de façon à discuter, à vous présenter le projet de refonte du PIA d'Outremont, qui est un travail de fond qui s'est échelonné depuis maintenant une année de par nos services et qui fait suite notamment à une des études qui a été publiée l'année dernière, l'étude typomorphologique d'Outremont, qui a été déposée donc et rendue publique. Sur le site web de l'arrondissement, qui est une étude extrêmement intéressante et je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour rappel, pourquoi il est important de mettre à jour notre règlement de PIA? Ben, tout d'abord, la version actuelle date de 1992. Donc, on parle d'une version qui date d'un autre siècle. Et puis, même si le maintien du patrimoine, c'est bien sûr un aspect important au sein de notre quartier, mais l'intégration de nouvelles notions, comme par exemple les notions de développement durable, les différents matériaux qui existent maintenant, tout ça, c'est des aspects qui ont besoin d'être intégrés dans ces règlements. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles. Il y a eu tout un travail de fond qui a été fait. Donc, cette soirée, ce soir, c'est une occasion supplémentaire de prendre connaissance donc, du projet de refonte et surtout pour les gens qui se sont joints à nous de poser des questions, bien sûr. Alors, on a toute une équipe qui est là ce soir. On a une équipe, l'équipe de la coopérative de travail L'Enclume, qui a mené. À bien ce mandat, et puis une partie des fonctionnaires du service de l'urbanisme. Donc, au niveau de la coopérative L'Enclume, qui vont faire des présentations ce soir, il y a Madame Andréane Cole et Madame Mathilde Prudhomme. Et puis, les fonctionnaires qui sont avec nous ce soir sont Monsieur Tom Fries et Monsieur Jean-François Lebrun. Alors, je vais vous laisser entre les mains de cette fameuse équipe d'experts qui prennent soin de notre patrimoine au quotidien et qui ont mené ce travail de fond en parallèle pour revoir nos règlements et apporter aux Outremontaises et Outremontais un paysage renouvelé. Alors, je vous laisse la parole et bonne soirée à tout le monde. Alors, merci, Madame Patrou, pour cette présentation. C'est moi qui vais faire l'animation de la soirée. Donc, je vais juste vous expliquer un petit peu le déroulement. Premièrement, en fait, je veux avertir tout le monde que la présentation est enregistrée, puis elle sera déposée ensuite sur le site de Faire Montréal. Donc, ça va pouvoir être écouté. Cette présentation-là, ce soir, s'inscrit dans le processus de consultation publique. Qui comprend aussi une consultation écrite de 15 jours. Donc, on va y revenir à la fin de la présentation, mais ce sera possible aussi d'envoyer des questions, des commentaires de façon écrite. Ensuite, on va commencer la consultation publique par la présentation de ma collègue Andréane Cole, qui va vous présenter la refonte justement de ce nouveau règlement, mais du règlement de PIA. Alors, en quoi ça consiste, puis les différentes étapes. Et ensuite, ça sera à vous de prendre la parole. Donc, il y a deux façons de prendre la parole. Je vais y revenir, je vais expliquer le tout après la présentation de ma collègue, mais vous pourrez le faire par écrit ou en levant la main et on pourra vous donner la parole. Alors, c'est un peu ce qui fait le tour pour l'introduction de la soirée. Je laisserai la parole à ma collègue Andréane Cole qui va vous faire la présentation sur la refonte du PIA. Parfait. Oui, merci Mathilde. Tout d'abord,
Je commencerai par remercier l'équipe de l'arrondissement aussi, toutes les personnes en fait qui ont participé. Madame Patrou parlait de Tom, de Jean-François qui sont ici, qui sont conseillers ou membres de la direction, mais il y a aussi beaucoup de personnes, des inspecteurs municipaux, des agents du cadre bâti, les membres du CCU, les élus. Donc, c'est un processus qui s'est échelonné sur un an, puis auquel il y a beaucoup d'intervenants qui ont participé pour bonifier, pour améliorer le projet. Puis, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive avec la présentation de la refonte du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc les PIIA. Je vais y revenir un peu plus tard. Mon mandat de présentation, ce n'en est pas un qui est facile parce que résumer des projets réglementaires qui ont souvent, ça va de soi, d'un jargon très juridique, ce n'est pas une chose facile. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une présentation d'environ 25 à 30 minutes qui vise à résumer les faits saillants, notamment du règlement sur les PIA, qui est vraiment le cœur de notre mandat, puis à aborder également les éléments qui vont modifier le règlement qui concerne les permis certificats et le règlement de zonage, donc qui sont connexes à la refonte du PIA. Donc, voilà, je vais commencer. Donc, la présentation, je vais commencer par une introduction. Je vais repasser sur les objectifs de la refonte du règlement pour vous présenter un peu c'est quoi les fondements, c'est quoi les idées qui se cachent derrière ce nouveau règlement sur les PIA. Ensuite, je vais vous parler des objets du règlement, c'est-à-dire des projets d'aménagement, d'architecture pour lesquels les propriétaires, les citoyens devront présenter un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ensuite, je vais aborder rapidement la question des objectifs et critères sans tous vous les énumérer parce que ce serait très, très long et je préfère passer sur d'autres éléments, mais je pourrais certainement y revenir dans la période de questions aux besoins. Et finalement, on va passer aux ajustements, comme je le disais, au règlement de zonage et règlement sur les permis certificats. Et mon collègue de l'arrondissement, Jean-François, pourra vous parler du cheminement et des prochaines étapes qui font suite à l'adoption du projet de règlement. Puis j'ai oublié de signaler, comme je le fais habituellement à mes collègues, si je parle trop vite, ne pas hésiter à me faire des signes de la main, ça va me faire plaisir de répéter. Puis quoi qu'il en soit, comme Mathilde le disait, vous aurez l'occasion de poser des questions ou de faire des commentaires tout de suite après. Donc, ça me fera plaisir d'y répondre s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair. Donc, d'abord, pour mettre la table, je pense que ça vaut la peine de commencer pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde par c'est quoi un règlement sur les PIA. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ça va être la dernière fois, je pense, que je vais le dire au complet pour alléger la présentation. Donc, un règlement sur les PIA, c'est un outil qui permet aux instances municipales d'assurer l'intégration harmonieuse d'un projet dans son environnement naturel et bâti. Ce qui vient faire le règlement sur les PIA, c'est qu'il va ajouter une couche d'analyse qualitative aux dispositions normatives du règlement de zonage auxquelles tous les projets doivent se soumettre. C'est-à-dire que le règlement de zonage vient émettre certaines normes qui sont définies par secteur, c'est-à-dire une hauteur maximale pour des bâtiments, des superficies d'implantation sur les parcelles, sur les terrains. Donc, c'est des normes qui sont très strictes, c'est facile de savoir si c'est atteint ou non, alors que le PIA offre plus de latitude puis propose une approche qui est davantage qualitative pour voir si un projet s'intègre à son environnement ou s'harmonise à l'architecture, par exemple, de ses voisins, de la rue, de l'environnement naturel et bâti. Concrètement, un plan sur un PIA, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est l'ensemble des documents qui sont exigés pour permettre l'évaluation d'un projet de construction, de rénovation ou d'aménagement paysager. Donc, ces documents-là, le PIA, ça peut prendre la forme de plans, de photos, de dessins d'architectes, de toutes sortes de documents qui sont énoncés dans le règlement. Évidemment, si on fait, par exemple, une nouvelle construction, on va demander davantage de documentation que si on construit une terrasse, par exemple. Donc, les documents qui font partie du plan du PIA peuvent varier selon les projets qui sont soumis à un PIA. Voilà. Pour continuer aussi, préciser que le règlement sur les PIA, c'est un outil réglementaire à caractère discrétionnaire. C'est comme ça que c'est appelé dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et ça veut dire que c'est le conseil d'arrondissement qui accepte ou refuse une demande, donc qui accepte ou refuse un PIA, à la suite de la réception de l'avis du comité consultatif d'urbanisme. Puis le comité consultatif d'urbanisme, ben lui, il doit s'appuyer sur les objectifs et critères qui sont vraiment le cœur du règlement sur les PIA. Le comité consultatif d'urbanisme, donc le CCU, oui, on aime beaucoup les acronymes en urbanisme. Donc le CCU, c'est un organisme qui est nommé et mandaté
dont les membres sont nommés et mandatés par le conseil d'arrondissement pour donner un avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire. C'est un groupe de résidents d'Outremont, donc les personnes doivent résider à Outremont. Et il y a également des membres du conseil d'arrondissement, comme Mme Patrault et Mme Pollack, dans le cas qui nous occupe, et préciser qu'à Outremont, le CCU est composé de personnes qui travaillent dans le domaine de l'architecture ou de l'aménagement. Enfin, dernier élément d'introduction, peut-être préciser aussi que le règlement sur les PIA, c'est un règlement que l'arrondissement d'Outremont est obligé d'adopter pour être conforme aux exigences de la Ville de Montréal. C'est-à-dire que la Ville de Montréal va émettre certains critères, certains éléments qu'elle demande à tous les arrondissements d'adopter pour qu'il y ait une certaine uniformité, équitabilité à l'échelle de l'agglomération de Montréal, notamment pour des territoires qui sont trans-arrondissements, si je puis dire, par exemple, le site patrimonial du Mont-Royal, donc qui touche à plusieurs arrondissements. La Ville de Montréal va émettre certains critères que les arrondissements doivent adopter. Donc, dans ce contexte-là, il y a certains éléments du règlement sur les PIA qui découlent donc des exigences de la Ville de Montréal. Donc, je vois que mes collègues suivent toujours. Donc, je vais poursuivre avec les objectifs de la refonte du règlement sur les PIA. Donc, je vais dans le vif du sujet. Les objectifs de la refonte du règlement sur les PIA, ils visaient principalement 5 objectifs que je vais passer un à un pour vous expliquer un peu comment on les a atteints. Il y a des objectifs qui concernent davantage les processus administratifs et l'application du règlement, alors qu'il y en a qui étaient vraiment plus spécifiquement sur le contenu du règlement lui-même. Donc, je vais les passer un à un, comme je disais. Donc, je vais commencer par le premier objectif qui était de simplifier les processus et clarifier les attentes pour les citoyens. Donc, pour y arriver, la première chose qu'on a fait, c'était de donc réviser la structure du règlement sur les PIA actuel. Comme Mme Patrault l'a précisé en introduction, le règlement sur les PIA d'Outremont qui est actuel, donc celui qui date de 1992, il y a déjà près de 30 ans, et il fait partie également des premiers règlements sur les PIA qui ont été adoptés au Québec. Parce que ce genre de règlement-là peut seulement être adopté depuis les années 80, à la fin des années 80. Donc, quand la ville d'Outremont, à cette époque-là, l'a adopté, c'était vraiment parmi les premiers au Québec. Mais il faut savoir que dans les 30 dernières années, il y a eu de nombreuses modifications, ajouts, amendements, ce qui faisait en sorte que c'était un règlement qui n'était pas très intelligible pour les citoyens autant que pour les professionnels de l'aménagement ou de l'architecture. Donc, dans ce contexte-là, on voulait vraiment commencer le tout par une structure qui était très claire, puis qui facilitait donc la compréhension du règlement. On a donc un règlement en 4 chapitres. Le premier, c'est vraiment des éléments administratifs, le territoire d'application du règlement, etc. Le deuxième chapitre, ce sont les objets du règlement. Donc, comme je le disais un peu plus loin, c'est quels sont les projets, les travaux qui sont soumis à la présentation d'un PIA. Et finalement, troisième chapitre, ce sont les procédures d'analyse et d'approbation. Donc, quel cheminement est-ce qu'une demande d'approbation d'un PIA doit suivre avant d'être soumise au conseil municipal, acceptée ou refusée. Et finalement, le chapitre 4, qui est vraiment le cœur du règlement, ce sont les objectifs et critères qu'un projet doit atteindre pour être valide et donc être approuvé et donc être construit. Il y a aussi de nombreuses annexes qui accompagnent le règlement, qui contiennent à la fois des cartes, des listes d'adresses, des éléments qui sont complémentaires donc aux éléments qu'on retrouve dans les 4 premiers chapitres du règlement. Ensuite, deuxième élément pour arriver à cet objectif de simplifier les processus et clarifier les attentes pour les citoyens, c'était la création d'un outil pour accompagner les personnes qui demandent un permis. Donc, dans le cadre du mandat, on est arrivé avec la confection d'un guide qui s'appelle « Construire et intervenir à Outremont », qui est en fait un guide de compréhension du règlement sur les PIA, qui permet de mieux comprendre à la fois un peu des éléments que j'ai expliqués au tout début. Donc, c'est quoi un PIA? Pourquoi est-ce que l'arrondissement d'Outremont a décidé de revoir son PIA et de quelle manière l'arrondissement a procédé? Mais il y a aussi certains éléments de compréhension, des exemples de comment est-ce qu'on peut atteindre certains critères, certains concepts d'architecture ou d'urbanisme qui sont intéressants, qui sont pertinents pour arriver à bien comprendre le règlement. Ce guide de compréhension du PIA, donc, qui est disponible sur le site de l'arrondissement et sur Réalisons Montréal. Donc, c'est un guide qui peut aider toute personne à mieux comprendre, qui vulgarise vraiment le règlement sur les PIA et qui montre notamment les cheminements et la procédure d'analyse, donc de façon un peu plus schématique
plus résumé que par article de règlement, comme c'est le cas dans le règlement brut, si je puis dire. Et ce guide-là va comprendre également un aide-mémoire qui comprend quels sont les documents qu'un demandeur doit présenter pour faire approuver un PIA selon est-ce qu'il construit un nouveau bâtiment, est-ce qu'il fait agrandir une terrasse, est-ce qu'il fait un agrandissement sur sa résidence. Donc, on vient ici résumer les différents documents qui sont nécessaires à la présentation d'un PIA. Ces éléments-là, évidemment, se retrouvent dans le règlement, mais ici, sont schématisés, sont présentés de façon qui sont un peu plus faciles à comprendre, puis qui peuvent aider, donc, comme je le disais, les demandeurs de permis à mieux se situer dans le processus. Ensuite, j'arrive aux objectifs 2 et 3, qui étaient d'alléger les procédures et améliorer le cheminement des demandes et d'adapter la réglementation et la mettre à jour pour les besoins actuels et futurs. Donc, comme on l'a dit, le règlement actuel datait de 1992. L'idée, en faisant la refonte réglementaire qu'on vous présente aujourd'hui, c'était d'avoir un règlement qui, lui aussi, va pouvoir durer, qui va pouvoir peut-être faire 30 ans lui aussi, ou du moins ne pas avoir à être remanié, refait complètement d'ici 2 ans. Donc, pour arriver à ces objectifs-là, on a analysé les statistiques liées au PIA au cours des dernières années, puis on a identifié les situations où la présentation d'un PIA était pertinente. C'est là où toute l'expertise de l'équipe, je mentionnais au début les agents du code bâti, les inspecteurs municipaux, les conseillers en arrondissement. Donc, toutes ces personnes-là qui sont aux premières lignes, qui parlent aux citoyens, qui parlent aux propriétaires, qui parlent aux professionnels, nous ont fait part des enjeux qu'ils rencontraient. On a également épluché toutes les recommandations du CCU, les avis du Conseil au cours des dernières années, pour être capable d'identifier donc, ces situations-là où c'est vraiment pertinent de présenter un PIA. Puis ça nous a permis de faire certains ajustements que je vais vous présenter plus tard, mais qui permettent donc de réduire le nombre de demandes pour accélérer les délais aussi, pour qu'une personne qui doit présenter un PIA ne doive pas attendre aussi longtemps pour se faire approuver et pouvoir ainsi commencer ses travaux le plus rapidement possible. Donc, ça nous a permis un peu de faire le ménage dans tout ça, puis vraiment de se concentrer sur les moments où la présentation d'un PIA demeure essentielle pour assurer la qualité du cadre bâti et de l'environnement naturel d'Outremont. Ce qui nous amène donc au quatrième objectif, qui est directement lié, qui est de préserver et d'améliorer le cadre bâti du territoire d'Outremont. Et pour y arriver, on a principalement opté pour 2 façons. C'est-à-dire qu'on a mis à profit l'étude typomorphologique qui avait été réalisée l'année dernière, comme Mme Patrou le mentionnait, dans la continuité de l'étude Bisson. Donc, pour ceux qui la connaissent, l'étude Bisson avait mené à la réalisation du premier règlement sur les PIA dans les années 90. Donc, l'étude typomorphologique est un peu en continuité de cette étude-là et permet de bonifier un peu les critères et les éléments qui se retrouvent dans le PIA. Ensuite, pour arriver aussi à cet objectif-là de préserver et améliorer le cadre bâti, on a mis en place une stratégie pour favoriser la restauration ou le retour aux composantes architecturales d'origine du bâtiment. Donc, je vais y revenir en quelques instants. Donc, pour ce qui est d'abord de l'étude typomorphologique, simplement préciser que l'étude typomorphologique, elle permettait donc de caractériser, de documenter les différentes parties du territoire de l'arrondissement d'Outremont selon les caractéristiques paysagères, selon les caractéristiques du tissu urbain, des bâtiments, des rues. Donc, ces éléments-là ont permis de découper le territoire d'Outremont en 29 unités de paysage qui partagent ces caractéristiques-là qui sont communes. L'étude typomorphologique avait mené à l'élaboration de fiches. Donc, il y a une fiche pour chacune de ces unités de paysage qui est composée d'environ 6 à 10 pages et qui vient détailler donc, ces éléments-là, que ce soit les éléments d'implantation, d'architecture, des bâtiments, la topographie, la canopée, donc la superficie végétalisée. Donc, tous ces éléments-là, on les retrouve détaillés dans les fiches qui se retrouvent dans l'étude typomorphologique. Et dans le cadre de la refonte du règlement sur les PIA, on a choisi de reprendre ces fiches-là puis de les résumer en tableau en identifiant les éléments caractéristiques de chacune des unités de paysage et en joignant ces tableaux-là en annexe du règlement comme référence pour l'évaluation des projets, que ce soit des nouvelles constructions, des modifications, des rénovations en façade ou sur certains murs du bâtiment. Je vais y revenir un peu plus loin. Mais l'idée, c'était d'avoir ces tableaux-là qui résument, qui permettent d'avoir en un coup d'œil les principaux éléments caractéristiques de chacune des unités de paysage.
Ensuite, le deuxième élément que je vous ai mentionné un peu plus tôt, c'était l'idée de favoriser la restauration ou le retour aux composantes architecturales d'origine. Donc, comment on est arrivé avec cette stratégie-là? L'idée, en fait, c'était de faire en sorte que les travaux qui visent le retour ou la restauration d'une composante d'origine ne soient pas soumis à la présentation d'un PIA. Donc, une personne qui souhaiterait remettre une composante architecturale sur son bâtiment, revenir à la composante d'origine, n'aurait pas besoin de passer par les étapes du PIA, donc de rassembler les documents, de monter un dossier et de le présenter au CCU puis au conseil d'arrondissement. Elle pourrait faire tout de suite les travaux après l'obtention de son permis de construction, évidemment. Également, dans le règlement, donc on a une section sur les objectifs et critères, je vais vous la présenter un peu plus loin, mais on a certains critères d'évaluation qui privilégient aussi ce retour-là aux composantes architecturales d'origine d'un bâtiment pour justement améliorer et mettre en valeur le cadre bâti d'Outremont. Il faut préciser que dans le règlement, on a également ajouté les définitions, donc qu'est-ce qu'une composante architecturale, une composante architecturale d'origine, et on a également instauré une nouvelle définition pour un effet visuel à la composante architecturale d'origine. Donc, l'idée derrière ça, puis je vais y revenir un peu plus loin, c'était de permettre une certaine latitude pour des ajustements qui sont contemporains pour le retour à la composante architecturale d'origine. Donc, je vais reformuler. Donc, l'effet similaire à la composante architecturale d'origine, c'est l'apparence générale d'une composante architecturale qui reprend dans une matérialité et des proportions semblables la composante architecturale d'origine. Bien que l'apparence de la composante d'origine architecturale n'ait pas à être identique, elle doit reprendre l'allure et l'emplacement de la composante architecturale d'origine. Donc, l'idée ici, c'était de permettre, par exemple, des ajustements en lien avec le code du bâtiment, avec des matériaux qui sont contemporains, avec des façons de faire d'aujourd'hui pour reproduire certains éléments du passé. L'idée, c'est pas de faire des pastiches, mais de permettre, par exemple, l'augmentation de la hauteur d'un garde-corps qui, par exemple, la composante d'origine, la hauteur du garde-corps était très basse, mais pour le ramener aux normes, faudrait qu'il soit un petit peu plus haut. Donc, l'idée ici, c'était de permettre cet effet visuel similaire. On reprend la matérialité, les proportions semblables, on revient au même emplacement, mais on n'a pas exactement la composante architecturale d'origine. Il faut préciser aussi que pour les bâtiments qui ont un statut particulier, les bâtiments qui sont situés sur le site patrimonial du Mont-Royal, l'effet visuel similaire à la composante d'origine n'est pas admis. Ce qui m'amène donc au cinquième objectif, qui était de cibler plus particulièrement les interventions visibles depuis l'espace public et les immeubles d'intérêt. Donc, pour y arriver, on est venu baliser la présentation d'un PIA pour les interventions qui sont visibles depuis la rue ou un espace public. Donc, s'assurer que, de façon prioritaire, tout ce qui est visible de la rue ou un espace public qui est adjacent au projet, qui est adjacent au lieu où l'intervention prend place, sera soumis à la présentation d'un PIA. Ensuite, on est venu aussi identifier les bâtiments, ensembles ou secteurs qui possèdent une valeur patrimoniale ou architecturale exceptionnelle pour s'assurer que ces bâtiments-là, ces immeubles-là, soient associés à des mesures de protection supplémentaires. Donc, en ce qui a trait à la visibilité de l'intervention, donc l'idée, c'est que, comme je le disais, si on fait une rénovation, une modification à l'apparence extérieure d'un bâtiment, seront soumis au PIA les interventions qui sont visibles à partir d'une rue adjacente ou d'un parc adjacent au terrain visé par le projet. On vient aussi définir dans les règlements ce qu'est la visibilité d'une intervention pour venir baliser donc que c'est ce qu'un piéton peut apercevoir ou qu'il pourrait apercevoir si une clôture existante était retirée, et ce, en toute saison. Donc, de cette façon-là, ça permet d'assurer un contrôle plus serré sur tout ce qui est visible depuis l'espace public, depuis la rue, de s'assurer, donc, en resserrant le règlement de zonage, comme je vais le préparer un peu. Présenter un peu plus loin que les interventions qui ne sont pas visibles sont tout de même encadrées par des normes en termes de matériaux, en termes de hauteur, je vais le présenter un peu plus loin, mais en termes de hauteur, par exemple, de bâtiments accessoires, de terrasses, etc. Ensuite, quand je vous parlais des bâtiments ensembles ou secteurs qui ont une valeur exceptionnelle, que ce soit sur le plan architectural ou sur le plan patrimonial, on les a identifiés et puis on les a nommés en fait témoins architecturaux significatifs. Ce sont ces bâtiments qui ont un intérêt architectural remarquable. Ils sont listés, ils sont présentés sur une carte en annexe du règlement. Ces témoins architecturaux significatifs, ou TAS, ce sont en fait les bâtiments de catégorie 1 et catégorie 2 qui avaient déjà été identifiés
comme étant exceptionnel par l'étude Bisson dans les années 90, auquel on a ajouté d'autres témoins architecturaux significatifs qui ont été identifiés dans le cadre de l'étude typomorphologique. Donc, les témoins architecturaux significatifs, les TAS, on en compte environ 680 autrement, soit 18 % de l'ensemble des bâtiments principaux de l'arrondissement. Il faut préciser que pour les témoins architecturaux significatifs et les bâtiments qui se trouvent dans le site patrimonial du Mont-Royal, toutes les interventions, qu'elles soient visibles ou non, sont soumises à l'approbation d'un PIA. De même, comme je le disais un peu plus tôt, les interventions qui visent un effet visuel similaire à la composante architecturale d'origine ne sont pas admises pour ces bâtiments. Donc, l'idée, comme je le disais, dans les objectifs de la refonte du PIA, c'est de s'assurer qu'on a quand même des mesures de protection supplémentaires pour ces bâtiments d'intérêt-là. Ça, ce qui fait en sorte que l'idée de la visibilité de l'intervention n'est pas possible dans le cas d'un TAS, c'est-à-dire que si on fait une intervention qui n'est pas visible de la rue ou d'un parc adjacent, il va quand même falloir aller présenter un PIA si on est sur un témoin architectural significatif. C'est ce qui complète un peu les différents objectifs généraux qui ont guidé donc la refonte du règlement. Je vais vous présenter maintenant les éléments qui sont soumis à la présentation d'un PIA. L'idée, donc, c'est de faire un peu le tour avec vous par type de construction des travaux qui vont être soumis à la présentation d'un PIA. À noter, il y a aussi des situations particulières que je vais aborder à la toute fin, qui sont très, très, très spécifiques à certains secteurs ou certaines situations et qui font pas l'objet, donc, des premières parties de la présentation. Donc, en ce qui a trait aux nouvelles constructions, en ce qui a trait aux bâtiments principaux, toute nouvelle construction, tout changement de volume ou agrandissement est soumis à la présentation d'un PIA. Ensuite, lorsque l'intervention est visible, si on ne fait pas un retour ou une restauration d'une composante architecturale d'origine, toutes les modifications finalement à l'apparence extérieure d'un bâtiment, que ce soit l'ajout, le remplacement, la modification ou le retrait d'une composante architecturale, l'ajout d'un élément mécanique, d'un mur écran, etc., donc, ces éléments-là, s'il ne s'agit pas du retour ou de la restauration d'une composante architecturale d'origine ou d'une composante ayant un effet similaire, si on ne parle pas d'un bâtiment qui a un statut particulier, bien, dans ce cas-là, ça va être soumis à la présentation d'un PIA. Ensuite, on a également une clause particulière pour les bâtiments principaux, c'est-à-dire que devront être soumis à un PIA toute modification de la taille des ouvertures, donc des portes et des fenêtres, lorsque la superficie combinée de toutes les ouvertures d'un même mur est supérieure à 60 % à la superficie totale du mur. Donc, l'idée derrière tout ça, c'était de s'assurer que si, par exemple, on souhaitait en façade arrière qui n'est pas visible de la rue, remplacer une grande partie, par exemple, d'un mur par des fenêtres ou par de très grandes ouvertures, si cette proportion-là dépasse 60 % de la superficie du mur, c'était de le présenter au CCU et de le faire approuver par le conseil d'arrondissement. Parce que quand on a procédé donc à l'étude des cas qui étaient parfois plus problématiques, plus difficiles à encadrer avec les normes, ce genre de projet-là faisait partie donc des règlements qui nécessitent une analyse, une approche qualitative pour évaluer donc la qualité des projets. Donc, dans ce cas particulier, sur un bâtiment principal, c'est soumis à la présentation d'un PIA. Il faut noter que cet article-là il a été remodelé depuis l'adoption du projet de règlement. Mais le sens de l'article demeure le même, c'est-à-dire que dans le projet de règlement, on parlait plutôt de façade, alors que dans le règlement d'Outremont, on définit une façade comme étant seulement le mur avant. Alors, pour s'assurer qu'on couvre vraiment l'ensemble des murs du bâtiment, on est venu remplacer façade par mur et on est venu un peu clarifier aussi l'idée là, de la proportion des ouvertures sur un mur. Donc, le sens de cette disposition-là demeure le même, mais l'article a été légèrement remodelé. Ensuite, si on va au bâtiment accessoire, donc lorsque l'intervention est visible, donc de la rue ou du parc adjacent où elle prend place, toute nouvelle construction, changement de volume ou agrandissement va être soumis à la présentation d'un PIA, de même que toute modification à l'apparence du bâtiment, sauf si on revient aux composantes architecturales d'origine. À préciser un peu plus tard, je vais vous présenter les modifications au règlement de zonage pour s'assurer qu'il y a un certain encadrement des bâtiments accessoires qui ne seront pas visibles, qui ne seront pas soumis à la présentation du PIA. D'un PIA, pardon. Ensuite, si on regarde pour l'aménagement d'un terrain, donc qu'est-ce qui va être soumis à la présentation d'un PIA? Ça va être l'aménagement d'un terrain qui est lié à la construction d'un nouveau bâtiment principal ou à la modification de la volumétrie d'un bâtiment existant.
Donc, si on fait un agrandissement en cour arrière, par exemple, on devra probablement refaire l'aménagement paysager. Donc, dans ce cas-là, ça va être soumis à la présentation d'un PIA. De même, si on fait une nouvelle construction, habituellement, on refait l'aménagement paysager en toute ou partie. Donc, à ce moment-là, on va devoir présenter un PIA. Ensuite, si on construit un mur de soutènement de plus de 0,9 mètres de hauteur ou si on rehausse un mur de soutènement existant et que ça fait un mur donc, de plus de 0,9 mètres, c'est aussi également soumis à la présentation d'un PIA. Il faut préciser que ce deuxième élément-là sur les murs de soutènement se retrouve dans le règlement actuel sur les PIA depuis 2019. C'était une disposition qui avait été ajoutée pour notamment répondre à des enjeux parfois de topographie, de rehaussement de murs de soutènement. Donc, on a préféré la conserver dans la refonte du règlement puisqu'elle avait été ajoutée donc, pour répondre à des enjeux qui avaient été vécus sur le territoire d'Outremont. Il faut préciser également que pour les bâtiments qui ont un statut particulier, notamment les témoins architecturaux significatifs, les bâtiments dans un secteur patrimonial exceptionnel et les bâtiments sur le site du Mont-Royal, il y a d'autres travaux qui s'appliquent pour les terrains, donc qui sont très particuliers, notamment en lien avec les massifs de végétaux, l'alignement des arbres en façade, en cour avant. Pardon. Ensuite, en ce qui a trait aux terrasses, donc en faisant l'analyse des statistiques, comme je le disais un peu plus tôt, on s'est rendu compte que la plupart des projets de terrasses étaient acceptés. En fait, des terrasses qui sont au niveau du sol étaient acceptées quasiment systématiquement ou toujours avec les mêmes recommandations, ce qui nous a permis de faire les ajustements nécessaires au règlement de zonage pour arriver à répondre aux enjeux qui étaient récurrents. Et nous permettent donc de faire en sorte que seulement la construction ou l'agrandissement d'une terrasse dont la hauteur excède 0,9 mètres sera soumise à la présentation d'un PIA. Et finalement, même chose pour les enseignes, donc qui étaient des éléments qui étaient souvent présentés, soit acceptés assez systématiquement ou pour lesquels il y avait toujours les mêmes recommandations. Donc, plutôt que de voir toutes les enseignes par PIA, on a préféré prendre l'approche du règlement de zonage qui vient vraiment baliser la disposition des enseignes, la dimension des enseignes, leur position sur le bâtiment, leur éclairage. Donc, encadrer ça de façon normative. Et vraiment, dans le règlement sur les PIA, soumettre seulement un type d'enseigne, c'est-à-dire l'enseigne qui annonce le nom d'un immeuble. Donc, des enseignes qui sont très particulières au territoire d'Outremont, dont on voulait assurer la préservation et qu'on a identifié grâce à l'étude typomorphologique. On les retrouve souvent sur les façades des conciergeries, des habitations multifamiliales, où on retrouve donc le nom du bâtiment en façade. On retrouve ça notamment dans le coin de l'avenue Willowdale ou dans le coin également de l'avenue Bernard et de l'avenue Édouard-Charles. Comme je le disais un peu plus tôt, il y a également d'autres éléments, travaux très spécifiques qui peuvent être soumis à la présentation d'un PIA. J'ai préféré y aller de façon générale, mais il y a des cas, par exemple, comme les opérations cadastrales dans les secteurs d'intérêt archéologique, sur le Mont-Royal, sur les terrains des lieux de culte ou des grandes propriétés qui sont soumis à la présentation d'un PIA. Et il y a également l'occupation par certains usages qui sont définis par l'agglomération de Montréal. Sur un terrain qui est adjacent à une voie ferrée principale qui sont soumis à la présentation d'un PIA, mais ça demeure des situations qui sont très, très, très spécifiques. Ce qui nous amène donc à la question des objectifs et des critères, donc comme je le disais, qui est un peu le cœur du règlement, puisque une fois qu'on a identifié si notre projet est soumis à la présentation d'un PIA, bien après ça, on peut se pencher sur les objectifs et critères sur la base desquels ils vont être évalués. Donc, comme je le disais, lorsque le conseil d'arrondissement et le CCU analysent un projet, ils le font sur la base des objectifs et critères qui sont énoncés dans le règlement. Et ces objectifs et critères-là, on les retrouve dans les différentes sections du chapitre 4 du règlement et ils sont divisés selon les travaux visés, le statut du bâtiment ou l'emplacement du projet. Donc, en fonction de la nature du projet, il peut y avoir plusieurs sections du chapitre 4 qui s'appliquent. Par exemple, si je fais une nouvelle construction sur dans le secteur du site patrimonial du Mont-Royal, mais je vais devoir appliquer la section 2 qui vise les objectifs et critères pour les nouvelles constructions, mais également la section 7 qui porte sur les travaux qui prennent place dans le site patrimonial du Mont-Royal.
Donc, une fois que j'ai identifié les sections qui s'appliquent aux travaux que quelqu'un souhaite, une fois qu'on a identifié les sections qui s'appliquent aux travaux qu'on souhaite faire sur un terrain ou sur un bâtiment, ensuite, on se réfère donc aux objectifs qui sont des buts à atteindre de façon générale et aux critères qui sont des critères d'évaluation un petit peu plus spécifiques qui nous permettent d'évaluer si ces objectifs-là sont atteints. Je ne vais pas passer un à un les sections, les objectifs et les critères parce que ce serait très long et on peut quand même laisser la parole aux personnes qui assistent à la présentation. Mais je vais quand même vous montrer certains exemples d'objectifs et critères. Ici, je vous présente les objectifs qui sont dans la section 3, donc la section qui porte sur la modification à l'apparence extérieure d'un bâtiment. On retrouve dans cette section-là cinq objectifs qui porte sur la préservation du cachet, du caractère distinctif d'Outremont, sur le traitement des composantes architecturales, leur intégration au milieu, sur la protection des témoins architecturaux significatifs, comme je vous le disais un peu plus tôt aussi, que les mesures de protection supplémentaires pour ces bâtiments-là, et des objectifs aussi qui portent, par exemple, sur l'intégration des bâtiments commerciaux mixtes dans le cadre bâti pour assurer l'animation des rues commerciales. Et finalement, un objectif qui vise la durabilité, la qualité et la pérennité des interventions. Donc, pour savoir si un projet remplit ces objectifs-là, on va l'analyser sur la base des critères qui sont dans cette section-là. Les critères, ils vont aborder différents thèmes, notamment l'intégration urbaine, des éléments d'architecture, des éléments, comme je disais, un peu d'animation, d'intégration commerciale, mais aussi des éléments de bon voisinage. Quel impact est-ce qu'un projet peut avoir sur le voisinage, sur le voisinage, donc sur les voisins immédiats, et aussi des éléments en lien avec le développement durable, l'innovation, donc comment est-ce qu'on peut réduire l'empreinte écologique de certains travaux à travers les matériaux, à travers l'implantation d'un bâtiment, les superficies végétales, etc. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut atteindre cet objectif-là? J'ai indiqué ici quelques critères qui font partie de cette section-là. Donc, le premier porte sur l'intégration urbaine. Il dit donc que le projet, dans sa forme, son implantation et son architecture, s'inspire des éléments caractéristiques de l'unité de paysage dans laquelle il s'insère. Donc, ici, c'est la référence directe au tableau que je vous ai présenté un peu plus tôt, qui énumère les éléments caractéristiques de l'unité de paysage et qui permettent donc d'assurer qu'il y a une certaine uniformité à l'échelle donc, de la rue, à l'échelle du voisinage. En fait, à l'échelle de l'unité de paysage. Ensuite, je vous ai mis un exemple en lien avec l'architecture du bâtiment. Donc, on se demande si l'intervention respecte et s'harmonise avec le style architectural d'origine du bâtiment et ses composantes architecturales. Et finalement, un des critères qui est en lien avec le développement durable et l'innovation, donc l'intervention utilise des matériaux durables et de qualité. Je vous ai mis à droite ici des exemples du guide de compréhension qui vise à montrer un peu comment est-ce que ces critères-là peuvent être illustrés, des exemples à favoriser, à éviter. C'est des exemples d'une façon de faire, mais comme c'est un règlement qui vise un encadrement qualitatif, il y aurait des dizaines, des milliers de façons de faire qui pourraient répondre aux critères. Ici, on vous en présente une version, mais c'est simplement pour vous montrer un exemple de vers quoi on tend à travers les objectifs et critères qui sont dans la section 4 du règlement sur les PIA. Voilà. Puis, peut-être préciser également qu'évidemment, il y a des critères qui s'appliquent différemment pour des projets. Je vous parlais un peu plus tôt d'animation, d'un critère, d'un objectif qui porte sur l'animation des rues commerciales, sur l'intégration des façades commerciales au niveau de la rue, au niveau de l'unité de paysage. Évidemment, si le bâtiment sur lequel vous faites une intervention n'est pas un bâtiment commercial, il y a certains critères qui ne vont pas s'appliquer, ça va de soi. Qui m'amène donc finalement aux ajustements, aux règlements connexes. Comme je le disais un peu plus tôt, le zonage et le règlement sur les PIA, ils sont liés puisque tous les projets qui sont soumis à la présentation d'un PIA doivent d'abord être conformes aux normes du règlement de zonage. Le règlement sur les PIA, ce qu'il vient faire, c'est vraiment ajouter une touche qualitative à l'évaluation des projets. Donc, dans le cadre de la refonte du PIA, comme je le disais, on est venu retirer des éléments qui étaient autrefois soumis à la présentation d'un PIA, mais pour s'assurer qu'il y a un encadrement suffisant, qu'il y a un encadrement qui permet vraiment de préserver et d'améliorer le cadre bâti d'Outremont, il y a certains éléments du règlement de zonage qui ont dû être modifiés ou ajoutés. La majorité de ces ajustements sont liés, comme je le disais, au retrait de certains types de travaux. Pardon. Donc, je vais passer en revue les différents éléments de modification du règlement de zonage. Donc, assez rapidement, simplement pour vous énoncer les thèmes
ou en fait les types de travaux pour lesquels ça peut, il peut avoir un impact. Donc d'abord, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a retiré certains projets de terrasse qui ne seront plus vus par le CCU et par le conseil d'arrondissement. Donc pour pallier au retrait de ces travaux-là, on est venu ajuster les normes en lien avec les terrasses. Notamment, on est venu ajouter des profondeurs maximales pour les terrasses qui sont aménagées en hauteur, notamment sur les habitations mitoyennes. On est également venu baliser la hauteur maximale d'un écran d'intimité qui est posé sur une terrasse, donc avec une hauteur maximale de 1,85 m, soit un peu plus de 6 pieds, et s'assurer que cet écran-là ne soit pas opaque aussi, de façon à ne pas créer de très hauts murs opaques dans le voisinage. Ça peut être difficile, notamment en cour arrière, d'intégrer ce genre d'équipement-là. Ensuite, on est aussi venu baliser la hauteur maximale d'une pergola, d'une autre structure qui sont apposées sur une terrasse. Et on est venu préciser les matériaux qui sont prohibés, les matériaux qui peuvent être utilisés pour la construction d'une terrasse. Même chose pour les clôtures. Le règlement de zonage énonçait déjà que les clôtures doivent être ajourées, ne doivent pas être opaques. Ce qu'on est venu préciser ici, c'est que les clôtures qui donnent sur une ruelle doivent avoir un degré d'opacité qui ne doit pas dépasser 90 %. Et on est venu ajouter une norme qui est plus technique, qui est une des façons de faire en sorte qu'on peut mesurer cette opacité-là. Donc, pour s'assurer que toutes les clôtures qui sont implantées en ruelle, qui donnent sur une ruelle, ne sont pas complètement opaques. Ensuite, comme il y a plusieurs bâtiments accessoires qui ne seront plus vus par le PIA, notamment ceux qui ne sont pas visibles de la rue ou d'un parc adjacent, on est venu indiquer des superficies maximales qui étaient absentes du règlement, donc des superficies maximales pour les bâtiments accessoires, et également ajouter une norme sur la hauteur maximale de ces bâtiments-là, puisque c'était une norme qui était absente du règlement de zonage. Et enfin, un des principaux points aussi qu'on est venu mettre à jour, c'est la liste générale des matériaux qui sont prohibés et des matériaux qui sont autorisés par catégorie. C'est-à-dire qu'on est venu identifier une liste de matériaux qui sont interdits en tout temps dans l'arrondissement d'Outremont. Et on est venu préciser des matériaux qui sont autorisés, par exemple, pour le revêtement, le parement d'un bâtiment, pour la toiture d'un bâtiment, pour les garde-corps. Donc, pour amener un peu plus de précision sur les matériaux qui sont autorisés par catégorie. On a également ajouté des normes concernant la qualité des matériaux pour s'assurer que les interventions qui ne seront plus vues par PIA demeurent d'une grande qualité, notamment sur l'épaisseur de certains matériaux, notamment l'épaisseur de la maçonnerie qui doit être de 40 mm, sur la façon de traiter certains matériaux, par exemple, l'acier galvanisé doit être peint. Donc, différentes normes qui nous aident à assurer que les matériaux qui sont utilisés sont de qualité et sont durables également pour l'avenir. Et ce qui m'amène donc aux derniers éléments, donc les règlements et sur les permis certificats qui est également modifié en lien avec la réforme du PIA. On a notamment ajouté des définitions, puisque c'est dans ce règlement-là, à Outremont, où on retrouve l'ensemble des définitions des règlements d'urbanisme. On a également ajusté la section sur les enseignes, puisque, comme je le disais, la majorité des enseignes ne seront plus soumises à un PIA. Et finalement, on a retiré du règlement sur les permis et certificats les documents exigibles en lien avec le règlement sur les PIA, de façon à ce que ces documents exigibles-là se retrouvent vraiment dans le règlement sur les PIA. Donc, on a un règlement autonome qu'on peut consulter du début à la fin sans avoir à se référer à d'autres règlements pour savoir quels documents on doit fournir, comment on doit présenter une demande. Donc maintenant, dans le règlement, dans le nouveau règlement sur les PIA, on retrouve les documents demandés, comme je le disais, au chapitre 3 du règlement. Voilà. Je laisserai ma parole à Jean-François pour la dernière partie. Oui, donc je vais juste faire un petit mot sur le cheminement et les prochaines étapes. Donc, les étapes diffèrent légèrement selon le règlement. Donc, pour le règlement sur les PIA, l'avis de motion a été donné et le premier projet de règlement adopté le 7 juin dernier, donc lundi dernier à la séance du conseil d'arrondissement. Il y a une période de consultation écrite de 15 jours, donc qui a débuté aujourd'hui, qui se termine le 24 juin. Donc, c'est la période durant laquelle nous allons recevoir les commentaires et questions du citoyen par écrit. C'est en fait ce qui remplace l'assemblée publique de consultation exigée par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme durant la période d'urgence la période d'urgence sanitaire. Donc, ensuite, nous allons adopter le conseil d'arrondissement va adopter le règlement avec ou sans modification selon les commentaires reçus.
pour le règlement de zonage. Donc, les premières étapes sont exactement les mêmes avec la période de consultation écrite également. La différence, c'est qu'il y a l'adoption d'un second projet de règlement et un processus d'approbation référendaire. Donc, il y a 4 articles du projet de règlement qui concernent les bâtiments accessoires et les terrasses qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, ce processus sera fait à la mi-juillet, c'est encore une fois par écrit. Et l'adoption du règlement sera le 9 août au conseil d'arrondissement. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, pour le règlement concernant les permis et certificats, donc celui-ci diffère un peu car c'est un règlement administratif, donc il n'est pas sujet à une consultation écrite ni à un processus d'approbation référendaire. Donc, l'adoption du règlement devrait se faire lors de la prochaine séance du conseil d'arrondissement, donc le 6 juillet. Et puis, pendant cette période de consultation écrite, les commentaires, les questions des citoyens ou professionnels pourront être soumis de 4 façons. Donc, il y a au greffe de l'arrondissement avec l'adresse secrétariat.outremont@montréal.ca, sur la plateforme Réalisons Montréal, sur la plateforme Making Montreal ou par la poste à l'Hôtel de Ville, donc au 543 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine. L'ensemble des informations et la présentation de ce soir seront disponibles. En fait, l'information est déjà disponible sur Réalisons Montréal, Making Montreal et le site de l'arrondissement. C'est le volet consultation en mode virtuel à Outremont. Ça a également été publié sur la page Facebook. Donc, je vais redonner la parole à Mathilde pour le fonctionnement de la période de questions. Parfait. Merci, Jean-François. Puis merci, Andréane, pour la présentation. Donc, c'est ça, on est rendu, la parole est à vous, en fait, on va vous écouter. Il y a 2 petites choses que je veux préciser avant qu'on commence. Donc, c'est ça, il y a 2 façons de poser une question. Premièrement, en levant la main, comme vous pouvez voir ici à l'écran. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main, puis je vais débloquer votre micro pour que vous puissiez parler. Je vais nommer les personnes... une à la fois à qui je débloque le micro. Ou sinon, vous pouvez aussi écrire une question dans la section Q&R qui est aussi présentée à l'écran. Alors, je vais prendre les questions, je vais essayer de prendre les questions puis les gens qui lèvent la main de façon répartie une après l'autre. Voilà. Alors, je tiens à rappeler que l'objet de la consultation publique ce soir, c'est la refonte du règlement sur les PIA et les modifications au règlement connexe. Donc, si vous avez toute autre question ou commentaire, on vous invite à participer aux séances d'arrondissement pour vous exprimer sur d'autres sujets. Puis, je rappelle à tout le monde de rester respectueux et courtois. Andréane et Tom et Jean-François sont là pour répondre à vos questions. Donc, voilà, on attend vos questions, puis on va pouvoir débuter cette période. Donc, je commencerai par M. Guertin. Je vais vous donner la parole. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Alors, bien, premièrement, je voudrais vous remercier pour ce que vous avez fait. Je trouve ça vraiment génial. Et puis, je suis très heureux, étant citoyen d'Outremont depuis ma naissance, de voir que quelqu'un, enfin, prend en considération le côté architectural et du bâti ici à Outremont. J'aimerais savoir, on parle d'un référendum qui aurait lieu au mois de juillet. Pourquoi est-ce que nous le faisons au mois de juillet et non au mois de septembre ou octobre, lorsqu'il va y avoir plus de citoyens qui vont être à Outremont à ce moment-là? Oui, en fait, la période d'adoption, on l'a fait on a décidé de la faire pendant la période estivale où il y avait une descente des demandes de permis et de certificats. Donc, ça causait une plus grande problématique de faire l'adoption du règlement soit à l'automne ou soit au printemps où on a beaucoup, beaucoup de demandes parce que pendant cette période de 2 mois, il y a un effet de gel où les permis ne pourront pas être émis entre l'adoption du premier projet de PIA et le PIA final. Donc, c'était vraiment pour minimiser les impacts aux citoyens au niveau des délais d'émission de permis. OK.
Okay. On n'a pas peur un peu que justement la ville puisse faire un peu ce qu'ils veulent, étant donné qu'il n'y a personne qui va être à Outremont au moment où est-ce qu'il va y avoir le référendum? Peut-être rajouter, juste aussi pour rajouter, bonsoir. Effectivement, on a regardé toutes les options, puis comme Jean-François l'a bien dit, là, un des enjeux qu'on avait, c'était ce gel qui a vraiment beaucoup d'impact sur les demandes de permis en cours. Puis on a, à ce sujet-là, pour d'une certaine façon, quand même contrecarrer ça, on avait déjà commencé à communiquer là, au niveau du règlement depuis la mi-avril, je pense. Là. Donc, on avait lancé le site web, on avait vraiment activement cherché l'input des citoyens là, pour justement voir si effectivement il y aurait des craintes là, par rapport aux éléments du règlement qui sont assujettis. Il faut aussi comprendre que ce qui est assujetti à l'approbation du grand-père potentiel, c'est vraiment quatre éléments, six éléments. Là, oui, c'est quatre articles, en fait, sur les terrasses et les bâtiments accessoires. Donc, ce n'est pas le PIA, en fait. Le PIA, c'est la consultation. En tant que tel, donc... Voilà. Mais évidemment, là, s'il y a vraiment beaucoup de craintes, là, rien n'empêcherait le conseil municipal de reporter l'adoption finale. Ça, c'est toujours aussi une option. C'est donc pour ça qu'on a vraiment essayé de communiquer plus tôt, d'informer les gens vraiment avec les outils qu'on a mis en place là, pour justement voir s'il y avait des contraintes ou autres. Et c'était une façon là, de trouver cet équilibre entre les défis opérationnels avec les permis aussi, parce que l'impact à l'automne ou au printemps, c'est là où on a le plus de permis en attente, et c'est là aussi on pénalise d'une certaine façon le plus le résident qui fait ses demandes à ce moment-là. D'accord, merci beaucoup. Si j'ai une autre question, je baisse ma main, je la relève plus tard, c'est ça? Oui, si vous voulez, je vais passer la question de M. Poulin, puis après ça, c'est manifeste en prof. Merci. Donc, on a M. Poulin qui a écrit une question dans le chat, donc je vous la lis. À Outremont, les ruelles sont des milieux de vie. Qu'est-ce qui est prévu pour la réfection et les ajouts sur les balcons arrière? Je peux répondre. Je suis peut-être pas sûre de comprendre la question de la réfection et les ajouts des balcons arrière, mais c'est certainement un élément qui est revenu à plusieurs reprises, là, notamment avec les élus, avec les membres du CCU aussi qui partagent votre vision, M. Poulin. L'idée, donc... Avec les ruelles, ce qu'on a constaté dans les analyses des PIA qui avaient été adoptées ou approuvées au cours des dernières années ou refusées, c'était beaucoup l'agrandissement en cours arrière qui causait des ennuis dans les ruelles, la question des clôtures également, puis la question de la qualité aussi de l'architecture en façade arrière. Donc, premier élément, je pense que c'est l'idée que tous les agrandissements en cours arrière sont soumis à la présentation d'un PIA et prennent en compte donc, l'impact sur le dialogue avec la ruelle, l'impact sur l'environnement immédiat. Le deuxième élément, ce serait possiblement l'idée justement de l'opacité de ces clôtures-là qu'on essaie de baliser pour assurer qu'il y ait un certain degré de transparence ou de vie qui est partagée d'une cour vers la ruelle. Et finalement, la question des balcons arrière, je pense qu'on l'a abordé notamment sur du point de vue des matériaux, qu'on a passé en revue l'ensemble des matériaux, notamment avec les membres de l'équipe d'arrondissement, avec le CCU, pour s'assurer donc de la qualité des matériaux qui allaient être utilisés, qui allaient être refusés aussi pour ces nouveaux balcons-là. Et un autre, finalement, que je vais ajouter, c'est la question des terrasses ou des balcons attenants là, aux résidences. Donc, de l'idée de faire en sorte que les terrasses qui sont en hauteur, qui ont peut-être aussi un impact, et les très grandes terrasses soient, elles, toutes soumises à l'approbation d'un PIA également. Sinon, de façon générale, pour tout ce qui est encadré pour les bâtiments ou les interventions en façade arrière sont soumises à un PIA, bien, il y a évidemment tous nos critères sur l'intégration, l'impact sur le voisinage, puis l'harmonie avec donc, le paysage de la ruelle. Donc, je ne sais pas si Jean-François, il y avait autre chose que tu voulais ajouter? Ou... Non, c'est complet comme réponse. Merci. Merci, Andréane. Donc, j'espère que ça répond à votre question, M. Poulin. Si vous voulez, je vais vous permettre de parler. Ça va vous permettre de finir cette question-là, puis après ça, je reviens à vous, M. Garde. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Bon, en fait, la question, c'est si quelqu'un veut changer la perspective d'un balcon,
le remplir, par exemple, alors qu'il peut être ajouré en ce moment, s'il veut augmenter la hauteur des paravents ou des choses comme ça. Est-ce que antérieurement, c'était sujet à un PIA? Est-ce qu'aujourd'hui, ça va l'être dans le futur? Donc, on parle des balcons à l'arrière? On est venu baliser, comme on le disait, la hauteur des auvents, des pergolas, des structures en hauteur au-dessus des terrasses. Donc, ça, c'est un élément qu'on est venu normer dans le règlement de zonage. Autrement, pour les matériaux, comme je vous le disais, on est venu vraiment clarifier quel type de matériaux peuvent être employés. Donc, si on fait des rénovations sur son balcon arrière, on ne peut pas les faire de n'importe quelle façon. Et finalement, comme je le disais aussi dans la présentation, il y a 18% des bâtiments qui sont des bâtiments avec un statut particulier pour lesquels toutes les interventions, peu importe sur quelle façade elles prennent place, sont soumises à la présentation d'un PIA. Donc, quelqu'un qui décide de créer un entre-deux entre un agrandissement et un balcon en faisant en créant des hauteurs, là, par exemple, puis en bloquant la visibilité de son du balcon, ce n'est plus sujet à un PIA. C'est-à-dire comme couvrir la structure de son balcon, mettre des murs? Exactement, couvrir la structure du balcon ou un balcon qui est ajouré en ce moment devient un balcon avec des matériaux qui fait que c'est un balcon plein ou quelque chose qui est monté à 10 pieds dans les airs, par exemple, de façon à constituer comme une espèce de mur d'entre-deux ou d'espace à... Il y a peut-être la question, c'est un élément qui revenait souvent, effectivement, un peu l'idée de mettre des murs, des écrans d'intimité, ces éléments-là entre les terrasses, là, qui est revenu souvent. C'est pour cette raison-là qu'on a balisé la hauteur des écrans d'intimité à 1,85 m. Donc, il ne peut pas avoir des écrans qui sont de plus de 6 pieds. Ça, c'est dans le règlement de zonage. Et OK, c'est ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que je peux avoir un mur plein de 6 pieds sur mon balcon. De 6 pieds, mais ce mur-là doit être ajouré. Donc, il y a un degré d'opacité. Ça ne peut pas être un mur complètement plein, complètement opaque. On parle d'une norme de 90% où on a mis là, l'idée de passage d'un objet sphérique de 1 cm entre les lattes. Là, c'est juste une façon technique de venir mesurer l'opacité parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à inspecter. Mais l'idée, donc, comme c'est un enjeu qu'on avait rencontré plusieurs fois dans les projets qui avaient été analysés, c'est donc de s'assurer qu'il n'y ait pas de très haut mur autour de la terrasse et que ce mur-là ce soit complètement opaque. Donc, on a réalisé la hauteur. Vous dites 90% ajouré ou 90% fermé? Fermé. Bon, c'est pas complètement fermé, mais c'est un peu moins complètement fermé. Donc, pour assurer aussi, l'idée, c'est d'assurer l'intimité des gens qui posent ce genre de structure-là, mais de s'assurer que ce ne soient pas des structures exagérément hautes puis des structures qui soient complètement opaques. Ben, vous comprenez que, OK, ça, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on pourrait mettre des commentaires parce que vous comprenez que dans les ruelles d'Outremont, compte tenu que les balcons sont souvent rapprochés l'un de l'autre, on vient de facto quasiment, si tout le monde se met à faire ça, là, on est rendu, ça va rendre un effet de, ça va faire tunnel là, dans la ruelle. Donc, pour vous, c'est la hauteur, l'opacité? L'hauteur et l'opacité, là, c'est parce que les balcons, puis la distance qui est permise entre le balcon et la ruelle là, aussi, qui peut être un facteur. Mais si les balcons peuvent s'agrandir jusqu'à la limite de la propriété, puis en plus, ils ont le droit d'être 6 pieds de haut et opaques, on comprend que si tout le monde fait ça, là, c'est comme s'il y avait des garages fermés sur toutes les propriétés d'Outremont au bord des ruelles. Ça serait assez. Ça ferait vraiment un effet tunnel là, pour un milieu de vie. Ça peut être un peu désagréable. C'est juste ça que j'essaie de comprendre. Là. Mm-hmm. Quand vous dites, parce que quand vous faites quelque chose qui dit c'est pas visible de la rue, ça je suis d'accord, mais à Outremont, les ruelles, c'est des milieux de vie souvent aussi importants que la rue elle-même. Donc, il y a des dangers d'exagération, même si c'est en ruelle. C'est là que je voulais faire parvenir mon commentaire. Merci.
Si je peux continuer aussi, là, je comprends très bien votre point, la crainte, mais dans des précisions sur la réglementation aussi, pour les écrans d'intimité en ce moment, c'est permis, mais il n'y a pas de hauteur maximum. Là, c'est ça. Ce qu'on a fait, c'est d'en mettre une maximum. Et puis, il y a également, on ne pourrait pas tout fermer. C'est maximum 50 % du contour de la terrasse sans compter le mur arrière. Donc, ça ne pourrait pas être complètement fermé et ça ne pourrait pas prendre toute la cour non plus parce qu'on a des normes assez exigeantes au niveau de la surface végétale, au niveau de l'arrondissement qui s'applique sur tout le territoire. Donc, c'est juste pour bonifier la réponse. OK. Ben, en fait, je pense que ça va inquiéter beaucoup de gens là, par peut-être dans vos documents, parce que je pense qu'ils sont très bien faits, les documents de ce qui est permis, pas permis, il y aurait peut-être lieu de l'expliquer davantage pour que les gens comprennent, parce que avant ils se sentaient protégés si leurs voisins voulaient faire quelque chose comme ça, puis ils se sentaient protégés par l'application du PIA. Là, je comprends que ça va plus au PIA, mais peut-être justement le documenter, puis dire ben, ça c'est permis, ça c'est pas permis, parce que ça peut donner lieu à de l'interprétation, puis je pense que ça va insécuriser beaucoup de gens. D'accord. Merci beaucoup, M. Poulin. On va prendre ça en note. Donc, je redonnerai la parole à M. Guertin et après, on va répondre à la question écrite de Mme Dansereau. Alors, merci beaucoup. J'espère vraiment qu'on n'est pas juste trois en ligne, là. Alors, donc, je reviens à la question. Premièrement, je réitère le point que je trouve ça fantastique, ce qu'on est en train de faire en ce moment, de mettre des règles très claires à ce niveau-là. Mais ma grande crainte, c'est comment on va faire pour faire respecter ces règlements-là. Parce que c'est un peu comme si finalement on ouvrait une boîte de Pandore en disant, bien, écoutez, ces règlements-là font plus partie du PIA, d'autres règlements le font partie. Comment nous, la Ville, on est capable, avec vous, monsieur les fonctionnaires, on va être capable de contrôler tout ça finalement et éviter que quelqu'un fasse quelque chose en se disant bah, « de toute façon, c'est plus grave, ça ne fait plus partie du PIA ». Est-ce qu'on a quelque chose en place pour gérer ces situations-là? Je peux peut-être commencer, Jean-François, si j'oublie quelque chose, tu renchéris. Écoutez, premièrement, au niveau de ce qui est soumis à un permis, là, ça ne change pas. Donc, tous les projets là, avant cette réglementation-ci, qu'on vous présente ce soir ou après, là, les projets vont tous être toujours soumis à une demande de permis. On doit avoir un permis donc, pour la construction. Et donc, le contrôle de ces travaux-là se fait de la même façon qu'avant, c'est-à-dire qu'au niveau donc, de l'analyse de permis et de la conformité là, au niveau de son implantation, c'est-à-dire par les inspections, etc. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de changement. La seule véritable changement, c'est que là où on a certaines type de travaux qu'on ne voit pas pour une analyse d'intégration la qualitative, là, on a contrebalancé cette absence, si on veut, par une exigence plus élevée au niveau notamment des matériaux et au niveau de, par exemple, là, on vous a parlé avant là, des degrés d'opacité. Vous devrez comprendre qu'avant, là, une bonne partie de clôture n'allait pas non plus au CSU, puis on avait simplement une notion, par exemple, d'ajourer. Donc maintenant, on l'a normée pour qu'on puisse la mesurer, puis elle est devenue en fait plus... Est devenu en fait plus strict avec le 90 % parce qu'il y avait des absences de normes avant. Donc, on a essayé là, d'aller vraiment, de créer un équilibre là, pour d'un côté simplifier et clarifier, mais d'un autre côté aussi resserrer, notamment les questions d'exigence des matériaux, etc. Mais le contrôle se fait comme il se fait actuellement, c'est-à-dire que tous ces projets-là vont être soumis à des demandes de permis et donc vont donc être soumis au même contrôle qu'avant. Là. Il n'y a pas de perte à ce niveau-là, si on veut. Donc, il va y avoir une communication claire auprès de tous nous autres, des citoyens, comme quoi, si on a fait des changements au niveau du PIA, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi comme on veut. Ben, c'est ça ma crainte. Moi, ce que j'ai peur, c'est que demain matin, plusieurs de mes voisins, incluant moi-même, puissent dire, ben là, c'est pas grave, il n'y a plus besoin de ça, je vais lire le document, puis je vais dire, bon, ben c'est beau, je peux faire ma galerie sans aller chercher un permis, je peux faire ma devanture sans aller chercher un permis. Puis si je suis assez chanceux pour ne pas avoir une maison qui fait partie du domaine patrimonial, ben je peux faire absolument tout ce que je veux.
Ça, c'est plus ça, ma crainte. C'est pas tellement, je comprends l'idée, mais il va falloir quand même renforcer, je crois, tout le volet, aller chercher justement le volet au niveau du respect des règles. C'est excellent ce qu'on fait en ce moment. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez proposé. Je trouve ça génial. Mais c'est que malheureusement, ça ouvre un peu la porte à dire, bon, ben, c'est justement, ça peut être interprété, disons, d'une façon où est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut. Et c'est ça qui me fait peur. Oui, laisser Jean-François répéter, puis peut-être qu'effectivement, ça pourrait être clarifié sur le site, mais le fait qu'un projet ne soit pas soumis au PIA, ça ne veut pas dire qu'il doit être soumis, comme M. Plisse disait, à un permis de construction. Donc, c'est seulement une étape, c'est qu'on enlève une étape de la demande de permis de construction. On dit, vous devez répondre aux règles du règlement de construction, au code du bâtiment, au règlement de zonage, mais cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de monter un plan d'implantation architecturale, de l'envoyer à l'arrondissement pour qu'il soit évalué par le CCU et évalué par le conseil d'arrondissement. Donc, c'est vraiment cette étape-là qu'on enlève quand on dit qu'un projet ne sera pas soumis à un PIA. Parfait. Donc, il faut être conscient, mais je suis entièrement d'accord là-bas, il faut être conscient qu'il faut renforcer le fait que l'obtention du permis est primordiale. Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a plus de PIA, il n'y a plus de permis. C'est ça que je veux dire. Parce que pour bien beaucoup de gens comme moi, ça peut être interprété de cette façon-là. C'est juste, dans le fond, je vous dis ça pour vous dire, faites attention parce que c'est ce qui risque d'arriver. Merci. Parfait, merci. Alors, ensuite, je passerai à la question de Mme Dansereau qui est écrite. Je vais la lire. Le patrimoine des bâtiments passe également par le respect des intérieurs des bâtiments. Nous avons autrement des intérieurs remarquables et visibles de la rue. Or, depuis plusieurs années, beaucoup d'intérieurs ont été entièrement démolis au profit de reconstructions, ne respectant pas le patrimoine architectural des intérieurs. En quoi les PIA feront en sorte que les intérieurs seront respectés? Le cas du 1240 Mont-Royal est un exemple de non-respect du patrimoine bâti de l'intérieur d'un immeuble patrimonial. Je peux vous répondre avec la réponse qui est malheureuse, mais qui est ça, c'est que les règlements d'urbanisme ne permettent pas d'encadrer l'intérieur des bâtiments. Donc, les pouvoirs de l'arrondissement se limitent à l'encadrement des modifications extérieures des bâtiments, de la construction, de l'apparence extérieure d'un bâtiment, de la même façon qu'on ne peut pas commenter l'aménagement intérieur d'une nouvelle construction ou d'un agrandissement, par exemple. Toutefois, il y a certains bâtiments pour lesquels il y a cet encadrement-là, c'est ceux qui sont classés par le ministère de la Culture. Donc, c'est vraiment les bâtiments qui ont un statut très, très particulier. Mais autrement, donc, le PIA ne permet pas d'avoir ce genre d'encadrement-là pour des raisons légales. Donc, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ne permet pas d'encadrer l'intérieur des bâtiments. Juste peut-être pour rajouter, là, parce que j'ai déjà participé à un processus de citation ou de protection des intérieurs dans un mandat antérieur, les municipalités peuvent évidemment demander au ministère de la Culture, là, en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, de faire des citations des intérieurs des bâtiments. C'est un processus quand même assez compliqué, assez long, là, et puis il y a un seul exemple d'une municipalité au Québec qui l'a fait récemment pour une résidence, là, mais c'est un processus quand même très, très difficile et très contraignant, là, mais c'est pas l'objet de ce règlement, comme André le dit, effectivement, donc c'est vraiment en vertu d'une autre loi, puis c'est un processus différent. Mais je pense qu'on est d'accord avec votre préoccupation, là, qu'on est effectivement en train de perdre beaucoup de ces aspects-là, mais c'est aussi quand même un élément assez difficile à encadrer là, parce que les accès aux maisons, la collaboration des demandeurs, là, on rentre quand même dans une propriété privée aussi souvent. Alors, c'est un sujet complexe, là, puis effectivement, qui malheureusement devient d'actualité, là, je pense, de plus en plus. Excusez-moi, j'avais oublié de réouvrir mon micro. Donc, Mme Dansereau répond, d'accord, mais que fait-on avec ce qui est visible de la rue? C'est pas, si c'est à l'intérieur du bâtiment, on n'a pas plus d'emprise. Là. C'est selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ce soit visible ou non. Parfait. Donc, Mme Dansereau, si... parfait. Merci à vous. D'accord. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas, on peut laisser... Jad Salem, je vais vous laisser la parole. Parfait, merci.
Merci pour votre travail, c'est très apprécié. Puis on est en fait, c'était plus une question par curiosité. Ce qui a mené votre cette refonte-là du règlement, vous avez mentionné qu'il y a plusieurs éléments qui revenaient souvent avec les mêmes commentaires, puis ça va pouvoir alléger la charge un peu des projets qui sont soumis au CCU. Je serais juste curieux à savoir, vous estimez à combien de pourcentage de demandes de moins que vous allez recevoir au CCU, puis si de notre côté, dont les professionnels qui font des projets à Outremont, si on est capable si vous êtes capable de fournir si vous avez des objectifs de délai par une demande quand on soumet des documents pour le CCU et le permis, parce que c'est souvent la réponse qu'on n'arrive pas à fournir de façon précise à nos clients. Donc, c'était plus une question à ce niveau-là, au niveau statistique puis au niveau de objectif de délai de votre côté. Oui. OK, c'est bon. Au niveau des statistiques des dernières années, donc pour une année, on considère que c'est environ 20% de moins de dossiers, plus ou moins, donc environ 25 dossiers de moins par année sur une année de 125 dossiers. Donc, il y a beaucoup de dossiers d'enseignes aussi. Comme ça, toutes les enseignes commerciales maintenant seront plus vues. Puis, ça, donc les modifications à l'apparence extérieure non visibles et non TAS. Et puis, les terrasses basses. Donc, on a fait environ 20 % Et peut-être je laisserai Tom continuer pour les objectifs de délai. Ouais. Oui, effectivement, c'est toujours un enjeu. Je pense que je comprends que vous êtes plus un professionnel là, qui se pose ces questions-là, puis c'est tout à fait légitime. Effectivement, les délais sont évidemment beaucoup aussi vus en relation là, avec le volume là, des demandes. Les dernières années ont été assez importantes, peut-être avec la parenthèse de l'année passée là, au niveau COVID, là, qui est un peu une parenthèse. Je dois vous avouer que là, au niveau des impacts là, qu'on va voir là, avec la baisse, là, c'est probablement en fonction de ça qu'on va avoir une réduction des délais. Donc, on espère avec le 20% là, environ que Jean-François a mentionné, de pouvoir les réduire. On a aussi beaucoup travaillé sur les séances additionnelles du CSU. Là. Avant, souvent, on avait une séance au mois. Là. On a quand même certains mois, on en a deux. Donc, on arrive quand même à un volume plus, ou en tout cas un traitement des demandes plus rapide, mais je ne pourrais pas malheureusement vous donner des délais très clairs ce soir, là, mais c'est sûr que c'est un des objectifs aussi là, de raccourcir les délais, surtout pour les petits projets où il n'y a pas de valeur ajoutée là, du CSU. C'est d'ailleurs aussi un des éléments qui a guidé les lignes là, qu'on a tirées, là, où on voyait certains dossiers, là, le CSU les réviser, donner une recommandation telle qu'elle. Alors, c'est un peu dans cet objectif-là qu'on essaie d'alléger pour justement mettre le focus là où là on peut, il y a plus de matière à travailler. Et aussi, on a l'année passée, on a ajouté un architecte au niveau de notre équipe, là, justement pour aussi encadrer les projets un peu plus en amont. C'est-à-dire que si des projets là, d'agrandissement, des projets de quand même majeurs, là, qu'on vous aide en fait au niveau des professionnels aussi là, à préparer la demande pour que justement les processus d'analyse du CSU ne vont pas être des itérations multiples, là, mais qu'on essaye vraiment de préparer le mieux possible les demandes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train là, de mettre plus en place. Là. Puis avec le nouveau règlement, on espère donc avoir des gains. Là. Actuellement, je pense que les délais de traitement sont de plusieurs mois, mais ils ne sont en fait pas forcément reliés au CSU, ils sont davantage aussi reliés simplement aux demandes, au volume des analyses normatives aussi. Alors, c'est un tout, là. Donc, on essaie de travailler là-dessus. Est-ce que ça répond à votre question, M. Salem? Oui, ça répond tout à fait. Puis, d'ailleurs, ce que M. Fries a mentionné par rapport à l'architecte qui répond en amont, c'est très apprécié dans le processus. Parfait, super, merci. Alors, je donnerai la parole à M. Guertin. Alors, merci. Écoutez, je vais m'arranger sur ma dernière question. Je ne veux pas être trop agaçant. Là. Mais comme vous pouvez voir, je prends ça très à cœur. Écoutez, monsieur, tout à l'heure, M. Clé, vous avez parlé des enseignes.
Et je trouve ça extrêmement intéressant. Premièrement, je dois vous dire là, qu'au niveau de votre commentaire à propos d'avoir des architectes qui vont aider les gens, les professionnels, ça, je trouve ça fantastique. Et du côté des enseignes, ça m'amène au côté plus commercial d'Outremont. Est-ce qu'on a présentement un règlement au niveau des enseignes? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir n'importe quoi sur Van Horn, Lajoie, pas Lajoie, mais Laurier et Bernard, ou c'est réglementé? Je peux commencer avec le premier élément de réponse. Nous, dans le cadre du mandat, quand on analysait, comme on disait un peu, la pertinence des éléments qui sont vus ou non ou par un PIA ou ceux qui sont simplement soumis aux normes, au règlement à caractère normatif de l'arrondissement, on a fait une petite analyse de la réglementation actuelle de l'arrondissement d'Outremont en la matière. Donc, il y a un chapitre au complet dans le règlement de zonage qui porte sur les enseignes, à quel endroit, quel type d'enseignes peuvent être posées, comment est-ce qu'elles sont disposées sur le bâtiment, le nombre d'enseignes par bâtiment, l'éclairage des enseignes, la dimension des enseignes. Donc, on a convenu que le règlement d'Outremont actuellement est l'un des règlements qui encadre le plus strictement les enseignes commerciales. Que ce soit sur les rues commerciales d'Outremont ou les enseignes, parfois, par exemple, si on a un bureau à la maison, etc. Donc, il y a vraiment une réglementation qui est assez exhaustive là, en la matière actuellement. OK. Et ça ne va pas changer avec le nouveau règlement, ça va rester tel quel. OK. Mais c'est une excellente... Exactement. Parce que c'est ce qui arrivait, en fait, c'est que les projets qui étaient présentés, il y en avait plusieurs, des projets d'enseignes, puis ils étaient quasiment systématiquement autorisés parce qu'il y avait tellement un encadrement normatif qui était assez précis, assez sévère. Que quand ça arrivait au CCU, c'était des bons projets. Donc, ça faisait seulement ajouter un délai supplémentaire à l'obtention des permis. OK. Donc, ils vont se conformer à ces règlements-là sans nécessairement avoir besoin d'aller au CCU. Donc, ils vont pouvoir ouvrir plus vite. Parfait. J'ai fait répondre à la question. Je suis très heureux de la réponse. Merci. Génial. Merci. Alors, je laisserai la parole à monsieur... ou Madame Diop. Oui, vous m'entendez bien? Oui. OK, j'ai une question qui, vous allez peut-être me renvoyer à d'autres personnes, mais enfin, je la pose, c'est le bon panel, je crois. Est-ce que vous savez si d'autres arrondissements, est-ce que vous travaillez avec d'autres arrondissements éventuellement pour peut-être une harmonisation de cette refonte, est-ce que c'est quelque chose qui, à vos oreilles à vous, là, mettons, est-ce que vous êtes en train de... Il y en a d'autres qui vous suivent un petit peu derrière, là, parce que c'est une très bonne initiative, honnêtement. Bravo pour tout le travail accompli. J'aurais tendance à juste encourager tout le reste, tous les autres arrondissements à vous suivre. Mais donc, voilà, la question, c'est est-ce que vous savez si d'autres vont faire la même chose ou sont en train de faire la même chose? Je peux essayer de répondre, mais effectivement, chaque arrondissement a son propre droit là, ou sa propre champ de compétences au niveau de la réglementation. Mais je pense qu'effectivement, il y a un certain désir, là, d'après en échangeant avec mes collègues, là, d'harmoniser un peu les règlements. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a des règlements spécifiques par arrondissement et même par secteur, par quartier, etc. Et c'est pour une raison, là, c'est parce que, bien, évidemment, une maison sur la montagne à Outremont, ce n'est pas pareil qu'une maison même à Outremont dans d'autres quartiers, le type de maison. Donc, il y a quand même des différences. Puis les arrondissements adoptent leur propre réglementation. Cela dit, je pense que au niveau des notamment des services d'affaires juridiques de la ville centre, il y a quand même un désir ultimement de harmoniser le plus possible aussi au niveau des formats, au niveau de la façon d'écrire les règlements. Mais actuellement, on n'est pas encore là. Mais je pense que ça fait partie un peu de certains désirs. Mais cela dit, au niveau du contenu, au niveau des spécificités, je ne pense pas qu'on arrivera à des règlements, surtout qui touchent l'architecture, qui seraient vraiment uniformes. Là, ce sera probablement davantage la forme et la façon d'écrire, que ce soit peut-être plus facile là, si vous travaillez là, comme professionnel, par exemple, dans un arrondissement ou un autre, bah, que les définitions, les façons de faire et de structurer les règlements seraient pareils ou identiques, mais ça restera, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, là, des règlements spécifiques pour chacun des arrondissements. OK, merci. Merci à vous. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur Guertin, allez-y. Oui, alors écoutez, j'ai une dernière question, je vous le jure.
Je repensais à ce qu'un de nos citoyens a dit tout à l'heure par rapport aux différents murs qu'on peut mettre, vous savez, là, dans les ruelles. À Outremont, on a un règlement qui font la gestion au niveau des sous-cotes, par exemple. En quoi ce règlement-là va venir faire en sorte qu'on ne va pas se retrouver avec des sous-cotes qui vont être là 12 mois par année? Ça peut paraître un peu étrange, mais ça reste une réalité, là. En fait, c'est fait référence au mur écran sur une terrasse. Et si une terrasse était complètement fermée de murs, ça rentre dans la catégorie agrandissement. Donc, c'est assurément vu. Donc, on a vu des types d'agrandissements qu'on sait qui servent pour sous-cotes, mais qui sont vraiment ils ont été traités, par nos règlements de zonage et au PIA également. Et puis, avec des revêtements de briques, et on a des critères au niveau de l'architecture, développement durable. Donc si la structure est fermée, on est vraiment dans la catégorie agrandissement et on va toujours aller au CCU, là. Donc, on ne pourrait pas fermer avec des écrans simplement, là. Donc, ça, c'est pas permis par la réglementation. Ce qui est permis par la réglementation, il y a des sous-cotes pour une période d'une dizaine de jours. Oui, puis ça pourrait être un peu plus long selon moi, ça, c'est pas un problème. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que pour éviter, puis là, je vous dis ça pour éviter n'importe quelle espèce de commentaire qui pourrait avoir lieu, là, mais est-ce qu'on pourrait pas dire au lieu de mettre 90 %, on met 60 %, comme ça, on évite le problème en quelque sorte? Je vais juste rajouter un autre élément là aussi. Là. En fait, l'agrandissement, comme je... Oups, je pense que vous avez... Monsieur Farge, je pense que vous êtes... Jean-François le dit proprement dit, là, qui donc dépasse cette période de temps-là. Là, ça va mieux? Oui, on m'entend? OK, je recommence. Alors, justement, je voulais juste rajouter sur le point de Jean-François que un agrandissement, là, avant la réglementation qu'on vous présente ce soir ou après la réglementation, rien ne change. Il va toujours être vu au CESU. Il n'y a aucun changement. Le seul changement, c'est qu'avant, pour une clôture, le règlement disait qu'il fallait avoir le terme m'échappe, Jean-François, aide-moi. Il fallait qu'une clôture soit ajourée. Ajourée. Ça n'était pas normé, donc il n'y avait aucun pourcentage. Donc, on arrivait en fait, et cette situation-là, vous pouvez aller l'observer là, parfois dans les ruelles ou dans n'importe là où vous allez voir des clôtures. On avait des clôtures en cour arrière qui étaient ajourées, c'est-à-dire qu'il y avait un petit peu de, juste un petit gap là en bas français, là, donc un petit espace là, d'ouverture entre deux planches. Ben, malheureusement, au niveau légal, ça c'était considéré comme ajouré, donc on ne pouvait pas aller plus loin. C'est vraiment les clôtures, on ajoute le 10 % là, ou le 90 % de maximum d'opacité. Donc, c'est vraiment une question de clôture. Pour les écrans d'intimité, on les réglemente. Par contre, eux, sont pas, ils n'étaient jamais d'ailleurs assujettis à une opacité maximum. Par contre, on a maintenant ajouté une limite de hauteur pour justement éviter que les gens aillent à faire des énormes murs d'écran là, pour le voisinage. Donc, on est devenu plus strict, à vrai dire, sur ces aspects-là, et c'est devenu plus clair. Mais sinon, rien n'a changé. Donc, parce que on avait cette question-là aussi, je pense, de M. Poulain. Je veux juste que ça soit clair. On n'a rien changé à ce niveau-là. Une structure permanente qui va être fermée, c'est un agrandissement. C'est assujetti au PIA et ça doit, avant ou après ce règlement-là, rien ne change. Et c'est simplement qu'on a donné plus de contraintes pour les clôtures, justement, pour arriver à avoir un peu de perméabilité, etc. Mais on n'est pas allé jusqu'au 60 % parce que, avant, on était presque à 100 %, donc on a rajouté ça. On a aussi regardé ce qui existait ailleurs au niveau des clôtures. Et il y a toujours un peu cet équilibre entre la vie privée, là, si vous êtes dans votre cour arrière aussi, là, par rapport à avoir les gens qui peuvent regarder dans votre cour, puis dans cet aspect privé. C'est sûr que les normes, c'est toujours débattable, on peut aller plus loin, mais avec le 90 %, on est déjà allé plus loin qu'on avait jusqu'à présent. OK, donc je comprends très bien, mais justement, je reviens encore à la question de la communication. Vous comprenez qu'il y a des citoyens de Promont qui vont péter les plombs parce qu'ils vont dire, bon, ben, on leur donne le droit de faire ce qu'ils veulent, et ainsi de suite, puis c'est ce qu'on veut éviter. Alors, c'est pour ça que je trouvais que 90 %, ou du moins la hauteur de 6 pieds,
ça leur donnait raison, en quelque sorte, et c'est ce qu'on veut éviter. Alors, bon, mais oui, c'est bon. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'on a d'autres questions? Personne qui se manifeste. Mais si vous voulez, je peux expliquer. On pourrait présenter, en fait, je pourrais répéter ce que Jean-François a dit par rapport à la prise de commentaires là, qu'on va recueillir, que l'arrondissement va recueillir du 10 au 24 juin. Donc, vous pouvez envoyer toutes questions ou commentaires de quatre façons. Donc, par courriel au secrétariat d'Outremont, sur la plateforme Réalisons Montréal et son versant anglais anglophone qui est Making Montreal. Et sinon, vous pouvez envoyer par la poste aussi, donc à l'adresse de l'hôtel de ville d'Outremont. Donc, voilà. On vous remercie tous pour les questions et commentaires. Ça va être noté et on va travailler là-dessus. Donc, merci à tous et merci à nos présentateurs. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci tout le monde. Merci pour les présentations et les questions. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous.